Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2013, l'opinion nationale et internationale était informée qu'un incendie criminel avait ravagé le marché du Cara, et dans la nuit du 11 au 12 janvier, celui du grand marché de Loé. Après que des responsables et militants membres du CST aient été arbitrairement arrêtés et détenus après avoir été faussement accusés d'en être les instigateurs, le collectif Jansen, lors de la conférence de presse tenue dès ce mois de janvier, d'une part, un appel pour une enquête internationale indépendante. D'autre part, annonça qu'il mènerait ses propres investigations afin que les véritables auteurs de ces incendies soient identifiés et jugés. Au terme de ces investigations, qui lui ont permis de collecter, de regrouper et de vérifier de nombreuses informations, le CSE rend public ce rapport d'enquête qui permet de confirmer de manière formelle et indiscutable que l'incendie criminel des marchés de Cara et de Lomé venait bien d'une machination politique orchestrée par de hautes autorités togolaises, donc membres du régime uni RPT, en compte parmi les instigateurs. 1. Madame Ingrid Nana Awali, directrice générale des services des impôts du Togo, principale instigatrice de cette machination. 2. Le colonel Félix Kananga, à l'époque chef de corps de la force d'intervention rapide FIR, unité d'élite des forces armées togolaises FAT, actuellement chef d'état-major de l'armée de terre, exécutant en chef de cette machination. 3. Le lieutenant-colonel Yotrofei Alex Massina, à l'époque directeur de l'Agence nationale de renseignement ANR. 4. M. Raoul Pacha Basayi, directeur général de l'entreprise de bâtiments et travaux publics Sandro. 5. Le général Mohamed Atat Tsikina, chef d'état-major général des forces armées togolaises FAT. Le colonel Baobadi Didier Bakali, préfet de la préfecture de la COSA. 7. M. Kokoué Silver Akima, directeur général de la société aéroportière de Lomé Tokoin Sad, fournisseur du kérosène qui a servi aux incendies et qui a été prélevé sur le stock de la base chasse de l'aéroport international de Niamey. 8. L'officier de police Pénissi, chargé des audiences du président de la République Fort et Sosina Nyasigbe Akara, en service au commissariat de police de Kara, principal exécutant de l'opération de l'incendie du marché de Kara. À l'instar de l'incendie criminel de l'Institut Goué, commis dans la nuit du 28 au 29 avril 2005, sa planification a été confiée au même exécutant militaire, le colonel Félix Kananga, qui a recruté une équipe de 7 artificiers militaires professionnels spécialement formés à cet effet et des miliciens du régime uni RPT, dont certains ont été impliqués dans les tueries massives de l'année 2005 pour imposer Faure Gnassingbé au pouvoir. Cette machination visait d'une part à récupérer le site du grand marché de Lomé au profit des instigateurs en vue d'une opération immobilière spéculative et à punir dans ce mouvement les femmes commerçantes de Lomé pour le soutien qu'elles apportent à nos régions. D'autre part, en faisant accuser faussement les responsables et militants du CST, dont 9 d'entre eux ont été arrêtés et ou inculpés arbitrairement, cette machination
visait délibérément à décapiter le collectif afin de protéger le régime en place contre son combat, ce qui repose dans son acuité la question de l'impunité autoroute. C'est pourquoi, dans ses conclusions et recommandations, le CST propose notamment qu'une information judiciaire soit ouverte à l'encontre de toutes les autorités et personnes que l'instruction réunira afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Que les commerçantes et commerçants des marchés de carrière nommés, du fait de la responsabilité de l'État, soient intégralement dédommagés. Que toutes les poursuites engagées contre les responsables et militants du CST, abusivement mis en cause, soient annulées immédiatement et sans condition, et qu'en conséquence, ils soient relâchés pour se rendre toujours en détention et indemnisés des préjudices matériels et moraux subis pour ceux d'entre eux qui ont été arbitrairement inculpés, ainsi que la famille de celui d'entre eux qui est décédé. Enfin, le CST renouvelle solennellement son appel à la responsabilité de la communauté internationale, qu'il prend à témoin de tout ce qui pourrait advenir à l'un quelconque de ses responsables ou militants suite à la publication du présent rapport. Maintenant, nous allons entamer l'enquête proprement. Contexte et justification. Lors de la série de conférences de presse qu'il a tenue au mois de janvier 2013, à l'occasion de l'incendie criminel des marchés de Car et de Loé, le collectif Sauvons le Tour a annoncé qu'il allait procéder à une enquête sur ces événements et promis d'en rendre public les conclusions. Des membres du CST accusés à tort d'être des commanditaires et exécutants des 10 incendies ont été arbitrairement arrêtés, interpellés, inculpés et placés sous mandat de dépôt. Le collectif s'était engagé à démontrer la fausseté des accusations portées contre eux. À cette fin, il avait déjà à l'époque relevé un certain nombre de questions essentielles, restées alors sans réponse, qu'il formulait comme suit dans une conférence de presse tenue le 17 janvier 2013. S'agissant de l'incendie de l'ONU, des constats, des faits et témoignages troublants amènent à se poser les questions suivantes. 1. Où étaient les agents chargés de la protection du bâtiment quand, aux alentours de 21h, des jeunes portefeuilles sentant une odeur de fumée provenir du bâtiment sont allés au poste de gendarmerie du Grand Marché et n'ont trouvé qu'un seul agent place? 2. Pourquoi ce n'est que bien après 1h du matin que les pompiers et les forces de l'ordre se sont-ils rendus au Grand Marché alors que les propriétaires des magasins alertés avaient déjà rallié les lieux à partir de 23h. 3. Pourquoi l'incendie a-t-il commencé au rez-de-chaussée, puis s'est subitement propagé au deuxième étage de l'immeuble avant de toucher le premier étage en plusieurs foyers? 4. Pourquoi alors que le feu ne s'était pas encore propagé dans tout le bâtiment et était visible par endroits, aucune initiative n'a été prise par les sapeurs-pompiers et les forces de sécurité pour accéder au bâtiment et s'y conduire les foyers d'incendie. 5. Comment de simples individus auraient pu avoir accès au bâtiment fermé à clé à 18h et gardé par des agents de sécurité de l'épargne et des forces de l'ordre? 6. Pourquoi nos frontières sont-elles restées fermées aux pompiers galériens mieux équipés durant plus de 3h pour des raisons de formalité d'entrée de leur véhicule à Lomé, alors même que ce sont les autorités togolaises qui les ont sollicités pour une urgence? 7.
Pourquoi les engins de la brigade motorisée ont-ils été tous détachés de la rue adjacente au bâtiment incendié qui leur servait de parking? 8. Qui a des intérêts dans la filiale togolaise de Nestlé? Et pourquoi a-t-elle fait évacuer toutes ces marchandises du bâtiment principal quelques heures avant le déclenchement de l'incendie? 9. Comment comprendre les déclarations rassurantes de la directrice de l'EPAM sur la télévision togolaise, première chaîne TVT, la journée du drame, tendant à faire croire qu'après l'incendie du marché de Kara, toutes les dispositions sont prises pour qu'un tel drame ne survienne pas au marché de Doré. 10. Pourquoi aucun ministre, ni aucun responsable de la sécurisation du bâtiment n'a été officiellement auditionné pour les besoins de l'enquête? 11. Si l'on emploie les dires d'un sapeur-pompier ghanéen, ce serait une importante quantité de kérosène qui aurait provoqué et alimenté cet incendie. Qui au Togo a accès au kérosène et un carburant hautement inflammable que des enquêtes ont révélé comme ayant été utilisé en 2005 lors de l'incendie criminel qui a ravagé l'Institut Goethe de Lomé. 12. Pourquoi aucune information officielle n'est portée à la connaissance de l'opinion nationale et internationale sur l'arrestation d'un sergent de l'armée togolaise qui a tenté curieusement de mettre le feu à la station d'essence MRS 6 en face de la cantine de l'aéroport de Lomé? À la lumière de tout ce qui précède, il est clair qu'aucune crédibilité, impartialité, neutralité ne saurait être apportée à l'enquête diligentée par les autorités togolaises pour faire la lumière sur l'ensemble de ces incendies survenus dans notre pays, d'où la nécessité de demander une enquête internationale. Enfin, fin de citation. Afin que les conditions d'une manifestation éclatante de la vérité sur ces incendies soient réunies, le CST lançait un appel à la communauté internationale lors d'une autre conférence de presse qu'il avait tenue le 28 janvier 2013 dans les termes suivants, et je cite. Devant ces nombreuses interrogations auxquelles les autorités togolaises n'ont apporté aucune réponse, mais en se livrant plutôt à des interpellations rocambolesques en cascade, il est plus qu'indispensable que la communauté internationale sorte de sa réserve pour soutenir la demande d'une enquête internationale indépendante formulée par le CST. Le collectif Sauvons le Togo demande solennellement à la communauté internationale, notamment les États-Unis, les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud de soutenir techniquement et financièrement la lutte enquête internationale indépendante. Le collectif Sauvons le Togo adressera une requête à ces institutions et pays. Fin de citation. 10 mois après cet appel, le CST a le regret de constater qu'aucune démarche n'a été entreprise pour que soit diligentée l'enquête internationale qui a peut-être de ses voeux. C'est pourquoi il a mené ses propres investigations en collectant, recoupant et vérifiant les informations sur les faits en cause et au terme de toutes ses recherches et vérifications, publie le fruit de ses investigations dans le présent rapport d'enquête qui formule un certain nombre de conclusions et recommandations qui en découlent. Les faits. 1. Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2013, l'opinion nationale et internationale était informée qu'un incendie criminel avait ravagé le marché de la ville de Kara, situé à 600 km au nord de la capitale togolaise Lomé, causant d'importants dégâts matériels et psychologiques immédiatement après cette tragédie
les autorités togolaises publiaient un communiqué en imputant la responsabilité à un fou. 2. Dès le lendemain, survenait dans la nuit du 11 au 12 janvier 2013 un autre incendie aux effets encore plus dévastateurs qui ravageait le grand marché de Lomé, la capitale. 3. Par la suite, d'autres incendies ravageaient les marchés Dakar et de Koto, ainsi que l'immeuble du CIB à Atabaré. 4. Dès le dimanche 13 janvier 2013, le service de renseignement et d'investigation de la gendarmerie nationale SRI déclenchait une vague d'interpellations contre les responsables militaires du CSC. Déférés plus tard à la justice, ils seront inculpés et incarcérés à la dite gendarmerie. 5. Lors d'une conférence de presse tenue le jeudi 24 janvier 2013, en son ministère, le colonel Yac Damehan, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, livrait aux médias de prétendus éléments de l'enquête sur les incendies qui ont ravagé les marchés du Togo, en particulier ceux de Kara et de Lomé. Il déclara que le mode opératoire de ceux qui ont commandité les opérations criminelles aurait constitué pour ces derniers, en la tenue de réunion, les 5 et 8 janvier 2013, au siège de l'Alliance nationale pour le changement ALC. Auraient participé à ces réunions des responsables militants du CSC qui furent normalement cités. Selon ces propos, l'objectif déclaré serait de frapper des sites stratégiques, le cœur de l'économie, afin de susciter le soulèvement de la population. Des cocktails Molotov et des bidons d'essence auraient été entreposés au siège de l'ALC et au marché d'Adaolato de Lomé avec la complicité de quelques vigiles habituellement en faction. Puis, il présenta des personnes interpellées à visage découvert au mépris de la présomption d'innocence et invoqua notamment des éléments totalement irrationnels, comme des cérémonies fétichistes de préparation faites dans un cimetière de la capitale d'où seraient partis les auteurs de l'incendie du marché. Il fut suivi par M. Essolissam, procureur de la République, qui par un communiqué rendu public le vendredi 25 janvier 2013, affirmant que les interpellations sont intervenues dans tous les cas de figure dans le respect des procédures en vigueur, alors que les droits des personnes gardées à vue, auditionnées sans la présence de leur avocat, avaient été violés. Ils devaient résister le 4 février 2013 par une déclaration lue sur les médias nationaux, indiquant notamment à propos de ces interdits criminels et justice. Il s'agit manifestement d'attentats criminels planifiés et exécutés à l'échelle nationale. Leur exécution relève d'une action concertée. Il apparaît que le mode opératoire utilisé est identique dans tous les cas. Les dispositifs de mise à feu multiples avec des départs de feu à des points distincts ont visé à rendre difficile, voire impossible, la maîtrise du feu par les forces de lutte contre les incendies. Il était de toute évidence destiné à assurer de façon certaine la destruction totale des objectifs visés. Les premières déclarations des suspects confrontés par les premières confrontations ont permis de connaître les circonstances d'exécution des incendies sur les différents lieux, dont les modes opératoires et les rôles respectifs de certains protagonistes fin de citation. 3. Rentrons maintenant des investigations du CSC. 3.1. Sur la formation du complot. Des investigations du CSC
qu'il ressort que sont au centre du complot les personnalités suivantes comme principaux investigateurs. Instigateurs. Des investigations du CSD, il ressort que sont au centre du complot les personnalités suivantes comme principaux instigateurs. 1. Madame Ingrid Nana Awoye, directrice générale des services des impôts du Togo, principal cerveau de toute la conception du complot. 2. Le colonel Félix Katanga, à l'époque chef corps de la force d'intervention rapide FIRI, unité d'élite des forces armées togolaises, FAT, acte chef d'état-major de l'armée de terre et beau-frère du président de la République, fort et sans une année assumée. 3. Le lieutenant-colonel Yotrofei Alex Massina, à l'époque directeur de l'Agence nationale de renseignement ANR, alors en stage de formation au Maroc et en Turquie, mais revenu spécialement au Togo pour la planification de l'exécution de ce complot. 4. Monsieur Raoul Pacha Bassani, directeur général de l'entreprise de bâtiments et travaux publics Sandro, bras droit de Madame Ingrid Nana Awoye. 5. Le général Mohamed Atias Pina, chef d'état-major général des forces armées togolaises FAD. 6. Le colonel Baobadi Didier Bakari, préfet de la préfecture de la COSA, ancien aide-de-camp du président de la République fort et son sénat d'assemblée, intime de Madame Ingrid Nana Awoye. 7. Monsieur Kokoué Sylvain Apima, directeur général de la société aéroportière de Lomé Topoet Sal, fournisseur du Kenzen, qui a servi aux incendies et qui a été prélevé sur le stock du Kenzen de la base chasse de l'aéroport international de Niamtougou. 8. L'officier de police Pemessi, chargé des audiences du président de la République, fort d'Assemblée et également fort et fort d'Assemblée à Kara, en service au commissariat de police de Kara, originaire du même village de Pia que le président de la République, dont il est un parent. Cet officier, un des principaux exécutants de l'opération de l'incendie du marché de Kara, a suppléé le commissaire Tchala, commissaire central de la police de la ville de Kara, qui est habituellement l'homme des bases des ordres du régime unier RPG dans cette ville, mais qui n'a pas pu prendre part aux réunions de formation du complot parce qu'il était malade. Toutes ces personnes se sont concertées dans le dernier trimestre de l'année 2012 à Kara, préfecture de la COSA, en plusieurs réunions pour planifier le complot des incendies. Réunion tout est sortie, la révélation de la fuite informant sur leur projet. 3.2. Sur les mobilisations, les motivations du complot. À l'origine de toute l'affaire se trouve la volonté de la directrice générale des impôts Ingrid Nana Awoye de faire réaliser au cœur de la vieille ville du quartier historique de Lomé, qui est celui du Grand Marché, le projet d'un mall, grand centre commercial sur une très grande superficie de plusieurs milliers de mètres carrés, à l'instar de ceux d'Accra et de Nairobi. C'est d'ailleurs parce qu'elle ambitionnait une telle réalisation qu'elle a usé de son influence pour faire arrêter le chantier déjà bien avancé de construction de l'immeuble de la banque libyenne Siab sur le site de l'ancien petit marché situé non loin de l'immeuble abritant l'agence de la société Eurotélécom et le magasin Ramco au centre-ville. Ceci avait provoqué la frustration des banquiers libyens qui, pris par la colère, décidèrent de mettre fin à leurs activités et de quitter le Togo. C'est de toute évidence, suite aux multiples difficultés auxquelles elle fut confrontée à récupérer le terrain de ce domaine public, très convoité par d'autres dignitaires du régime uni RPG, que le DG des
des impôts, la DG des impôts, envisagea de réorienter sa détermination à réaliser coûte et coût le projet de mall qui lui tenait tant à cœur sur le site du grand marché de Lomé. Cela d'autant plus qu'elle nourrissait à l'endroit des femmes commerçantes du grand marché de Lomé une haine farouche parce que politiquement acquise au régime du parti uni RPK en place, qui est l'artisan de sa fulgurante promotion sociale, elle les accusait de soutenir financièrement les partis de l'opposition qu'elle considère comme ses ennemis. Aussi, en veillant à la cynique et machiavélique idée d'organiser cette provocation qui détruisait par l'incendie les biens des femmes commerçantes du grand marché de Lomé et de Tara, avec pour seule intention de les brûler ainsi. Par ailleurs, de par ses fonctions, elle savait bien qu'elle porterait avec certitude un coup fatal aux femmes grossistes de Lomé, dont les marchandises alimentent aussi le marché de Tara, dont elle paye les commerçantes auxquelles elle retourne une partie de leur stock par des commissions sur leur vente. En associant au projet formé par Ingrid Nanda Awali, qui est politiquement de leur bord, de leur clan et de leur ethnie, les membres du régime RPT civil, comme militaires, savaient donc très bien ce qu'ils faisaient en l'aidant à s'attaquer aux femmes de l'ONU. Tous pensaient, en effet, œuvrer à la consolidation du régime en place en aidant à couper toute base de financement au parti de l'opposition togolaise, dont il est de notoriété publique que l'implantation est très forte, tout particulièrement au grand marché de Lomé. Grand 3-3 sur l'exécution du complot. L'exécution du complot a mis en mouvement le déploiement d'un important dispositif en amont, en matériel, en logistique et en ressources sur toute l'étendue du territoire national pour lesquelles les protagonistes ont fait preuve d'une rare détermination à réaliser, coûte et coûte, leur forfait avec la certitude qu'ils seraient couverts par une totale impunité garantie par les hautes autorités nationales. Le mode opératoire a manifestement été celui déjà utilisé 8 ans plus tôt, dans la nuit du 28 au 29 avril 2005, lors de l'incendie criminel de l'Institut Witt, et pour lequel au moins les exécutants en chef récidivistes, certains d'entre eux couverts par une totale impunité, a été formellement identifié comme étant le même dans les deux cas. Nous y reviendrons de loin. Grand 3-3-1. Des exécutants. Placés sous la direction du colonel Félix Kalaga, c'est un même commando composé de 7 artificiers, véritables militaires professionnels et de miliciens du parti uni RPT, tous soigneusement sélectionnés, qui opéra tant pour l'incendie du marché du Tara que pour celui du grand marché de Lomé. Au sein du commando, les rôles avaient été précisément bien répartis. À l'équipe des 7 artificiers militaires professionnels incombait la responsabilité de planifier une mise à feu imparable et sans bavure des marchés. Militaires professionnels du corps d'élite, qu'est la force d'intervention rapide fille. Ils se savaient parfaitement bien entraînés à la maîtrise technique des opérations de mise à feu. À cet effet, ils devaient utiliser des mèches incendiaires du type de ceux servant à la mise à feu des bâtons de dynamite dans les situations où cet explosif est généralement utilisé, chantier, attentat, opération, commando, etc. Sauf en lieu et place de la dynamite, le matériau
a enflammé et ici le kérosène, un combustible pétrolier hautement inflammable qui s'éteint très difficilement. Aux miliciens du parti au pouvoir, Unis et RPP, à jeun. Aux militaires professionnels était dévolue la charge de terroriser et éventuellement tuer les individus qui trouveraient sur le théâtre des opérations. Il avait été soigneusement tiré, trié sur le volet pour avoir déjà fait leur rôle lors de coups de main antérieurs comme lors des tueries de l'année 2005 ou fort. Yassine fut porté au pouvoir au décès de son père grâce au massacre que ses miliciens organisèrent aux côtés de l'armée polonaise avant, pendant et après l'élection présidentielle du 24 avril de cette année-là.